tête. Thank you.
Thank you.
Sur la ligne, on va retrouver dans le il va falloir et bien derrière réagir très rapidement. On va rentrer et bien dans la fin de course. Il restera trois tours à parcourir, c'est-à-dire les le groupe de tête qui arrive et bien sûr avec les coureurs de l'UCMV qui est bien sûr le groupe du travail. Et bien, ça porte la merveille. Et on va voir un peu plus de temps. Et bien sûr, ce groupe de chasse, il y a du rêve. Et bien là aussi de revenir à l'issue accélère, il va falloir contenir tout ce beau monde.
l'écart dans quelques instants entre les gens de top et les proches sécuritaires, alors que reste chaud sur certains de Nicolas et les Japonais qui sont plus faibles que les Américains. À Isaac tout à l'heure à 7 km désormais. Voilà, dernier tour pour le défaite de la de voir revenir le groupe de France, donc pour les dernier tour. Entre les 11 hommes et le peloton, autant dire qu'il va être désormais compliqué au peloton de revenir sur les échappées qu'on va rentrer dans les deux derniers tours de circuit. Au prochain passage, le dernier tour de circuit, au prochain passage pour relancer la cloche pour le peloton. Voilà, dernier tour. Donc on verra qui va l'emporter là aussi. Ce groupe est toujours le coureur en ce match qui est en train d'amener le peloton avec là aussi le coureur de l'histoire derrière dans le bras qui ferme. Petit coureur aux avant-postes. Voyons, on a eu un tour très rapide. Voyons, on est en train de voir passer à l'instant, notamment au niveau du bureau, le coureur. Le peloton réagit avec notamment le coureur du Lycée Lacombe qui emmène les gens de l'autre côté. Allez, bisous, bye.
Ciao. Et il vient me chercher quand j'attaque dans la bosse. Allô, Valentin. La carte Jacquemé qui est seule en tête, puisque eh bien, Valentin Lacroix a été repris par les 8 autres coureurs. Valentin Lacroix vient d'être repris. Allez, allez, allez. Super. Il est cuit. C'est bon.